Bonjour, je m'appelle Stéphane Cornicard et je vous présente Ma France, a series of short programs to help you with spoken French. In this program, an introduction to the people and places you'll be seeing during the series, with a flavor of the language you'll be hearing. Merci, monsieur. A trip to the Île du Frioul, near Marseille, and a surprise challenge for the people we film. Ma France is a new course for people who've done a bit of French already. And it covers a very wide range of French subjects, from adventure sports and talking about football, to buying a house. It's the TV version of the broadband website at bbc.co.uk/languages. This first film will give you an idea of the level of French you're going to hear and the different situations you'll come across in the series, like finding your way around. Pour filmer Ma France, nous sommes allés dans des lieux très différents. La côte provençale, les Alpes, la campagne et la ville de Lyon. Là, nous cherchons notre hôtel dans le quartier de la Cité Internationale. Bonjour monsieur, excusez-moi. La Cité Internationale, s'il vous plaît. Alors, Cité Internationale, oui. Vous prenez tout droit, vous tournez au feu à gauche, vous traversez le pont Winston-Churchill et vous suivez les panneaux Cité Internationale. Merci. Pas de quoi. Au revoir. Now, have another look at some of the expressions you've just heard. Excusez-moi, la Cité Internationale, s'il vous plaît. Excuse me. Can you tell me the way to the Cité Internationale, please? Vous prenez tout droit. Go straight on. Tournez au feu à gauche. Turn left at the traffic lights. Les îles du Frioul sont au large de Marseille. Pour y aller, il faut prendre le bateau. À quelle heure part le prochain bateau pour les îles du Frioul? Le prochain départ est à 10h30. Je vais prendre deux allers-retours, s'il vous plaît. Deux allers-retours, 20 euros. D'accord. Merci. Merci. À quelle heure part le prochain bateau? What time does the next boat leave? Je vais prendre deux allers-retours, s'il vous plaît. I'll take two return tickets, please. La famille Barrow a quitté l'Écosse pour venir vivre à Lyon. Je suis la mère, je m'appelle Sylvie. Alors, je vous présente mon mari, Lloyd. Bonjour. Vous venez d'où, Lloyd? Moi, je viens d'Aberdeen, en Écosse. Alors, je vous présente mon fils le plus grand. Lucas. Et là, maintenant, je vous présente mon fils le plus petit, Rocco. Rocco. Alors, ça s'écrit comment? R-O-C-C-O. T'es sûr? Oui. Vous venez d'où? Where are you from? Je viens de... I come from... Je vous présente. May I introduce? Ce week-end, Hakim achète les ingrédients pour faire une tartiflette. Tu as besoin de quoi? Alors une tartiflette. Pour une tartiflette, j'ai besoin de reblochon, de crème fraîche, de lardon, d'oignons et du vin blanc, bien sûr. Mais d'abord, j'ai besoin d'une paire de chaussettes. Vous avez cette paire en taille 44, s'il vous plaît. Donc ça, c'est 39-41. Voilà, elle est ici. C'est celle-ci. Ah. Merci, monsieur. Mais de rien. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonne journée. J'ai besoin de. I need. Vous avez cette paire en taille 44, s'il vous plaît? Do you have this pair in size 44, please? On the Île du Frioul, shops are few and far between. Listen out for the food items people have brought with them. Qu'est-ce que vous avez emporté? Je
De Marseille aux îles du Frioul, la traversée dure 30 minutes. Les passagers emportent leurs provisions achetées à Marseille. Sur les îles, il y a très peu de magasins. Bonne journée ! Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez emporté pour votre journée sur les îles ? Alors, donc on a pris des chips, on a pris du pain libanais, et comme nous sommes de bons Français, on prend l'apéro. Et pour l'apéro, on a pris des cacahuètes, du Coca-Cola, malheureusement américain, et du Perrier. Comme d'habitude, j'ai mon pain, j'ai mes céréales, mon savon de Marseille, mon déodorant, mes produits frais, des oranges, des poires, tomates, voilà. Combien de fois par semaine vous faites les courses à Marseille ? Une fois, c'est suffisant, parce que on fait en gros. Après, le va-et-vient entre Marseille et le Frioul, on évite au maximum de le faire, voilà. À Marseille, vous allez où ? Dans un marché, un supermarché ? Les deux. Un petit supermarché, parce qu'il n'y a pas de grand supermarché à côté du centre. Il y a un tout petit supermarché, puis il y a le marché. Donc moi, j'achète mes légumes sur le marché, et puis tout ce qui est autre, dans le supermarché. Voilà. Très bien, messieurs, dames. Pas trop difficile, j'espère. Qu'est-ce que vous avez emporté ? We asked what food items people had brought with them. Des chips, crisps, du pain libanais, Lebanese bread, des cacahuètes, peanuts, du pain, bread, des céréales, cereals, des oranges, oranges, des poires, pears, des tomates, tomatoes. Qu'est-ce que vous avez emporté pour votre journée sur les îles ? Alors, donc on a pris des chips, on a pris du pain libanais, et pour l'apéro, on a pris des cacahuètes. J'ai mon pain, j'ai mes céréales, mon savon de Marseille, mon déodorant, mes produits frais, des oranges, des poires, tomates. Et finalement, messieurs, dames, it's time for our surprise challenge for the people we filmed. It always amazes me to see how people love to play along if you give them a challenge. And you can too. Enjoy it. À bientôt. Est-ce que tu veux jouer avec moi ? Oui, je suis vous, je veux bien jouer. Ah ouais ? Ouais ? Très bien. On est sur une île. Ouais. C'est le Frioul. Ouais. Il y a seulement une épicerie, un petit magasin de pêche, je crois, oui. Quelques restaurants, c'est tout. C'est tout. Je vais te demander d'imaginer qu'il faut que tu redécores ta cuisine, ton balcon ou ta chambre. Il faut que tu utilises les ressources de l'île, ce que tu peux trouver, et me dire comment tu vas la décorer. Alors, c'est tout vite, très vite trouvé. Je pense que je ferai mon salon avec un filet de pêche, quelques matériaux de marine. Ouais. Et la peinture alors ? Et la peinture ? Alors la peinture, je ferai une peinture plutôt bleue pour appeler la mer. Et on la trouve ici la peinture ? Ah non, la peinture on la trouve pas ici, mais on trouve de la peinture pour bateau. Alors on peut imaginer qu'on se servirait de la peinture pour bateau. Mais vous savez, on peut se passer ou s'adapter. Voilà.